Ah frère, le clignotant, non? Ma même fume celle-là. T'as de la chance, j'ai plus de klaxon. Ta mère, je suis là, j'ai bugué frérot, déjà je devais me concentrer sur mes vitesses. Wow! Salut les mecs, c'est Léo. Fais me faire faucher, non mais la meuf. Franchement, je suis là, j'étais devant, j'ai bégayé, j'ai même pas su quoi faire. Oh, on casse les couilles en même temps, j'ai ce problème de vitesse, je dois passer 4 fois la deuxième. Carnage aujourd'hui, c'est lundi matin. Si vous allez tous bien déjà, vous mettez un pouce bleu. Parce que c'est important les pouces bleus, je vois, ça se démotive en ce moment. Faut remotiver les troupes, faut redonner de la force là les mecs. Ça y est, c'est la bonne époque où il y avait des 10 000 likes. Ça y est, elle est passée celle-là. Voilà, là, c'est bientôt Noël, les mecs. Vous avez demandé quoi, Père Noël, là? Je suis sûr, René, ils se sont gavés comme des porcs. Ils ont tout pris pour faire leur bécane. Y'en a, ils ont pris des kits. C'est sûr. Oh, si tu veux le passage piéton, il est vraiment pas là. Mais tranquille. Waouh! Oh, ils ont mis les décos de Noël. C'est mignon, il y a des décos Noël. Ouais. Par contre, ils vont me tuer, là, avec leurs arbres. Alors, il est en warning, le collègue. Qu'est-ce qu'on fait, frérot? Est-ce qu'il a l'intention de repartir? Je pense pas. On met clignotant. Et on aborde doucement parce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver devant le bus. Voilà. Voilà, petit clignotant. Tu sors du giratoire. Eh hey ouais, qu'est-ce que tu crois là? Pas une seconde, le diable dans le moteur. Attends, ce petit feu, du turfu frérot, c'est là, voilà. Nan, dis-moi pas que c'est de ma faute quand même. C'est tarif fort frérot, il passe direct au rouge, attends. Attends, on va jouer avec lui ce petit bâtard. Allez, normalement tu passes au vert vite. Me fais pas ça, s'il te plaît. Passe au vert. C'est long là, je vais tomber. Allez, de toute façon je vais te griller. Personne ne le verra si je te grille. Il y en a, leur classe, elles ont fermé avec le Covid les mecs. Ça y est là, ça repart, waouh, vlam, exponentiel. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait aujourd'hui les mecs. Aujourd'hui on va faire un test de vitesse du 69 top alufonte. Non les mecs, aujourd'hui on va les grailler parce que j'ai faim. Et on va aller faire les boutiques parce que j'ai reçu la paye là, les 50 euros là. Merci à tous, on va les dépenser. Non je rigole, on va les grailler, ça c'est vrai. Il faut que j'aille chercher du scotch. J'ai plus de scotch pour mon projet d'art plastique. Attends, il est tuning là, son... On dirait un C15 mais c'est pas un C15. Je pense qu'on va aller se grailler un petit McDo hein. Attends, j'ai ma jeune capuche frérot, elle est en train de me faire un parachute à l'arrière. Regarde le rétro. Oh putain, j'ai une prise au vent derrière, je vais perdre 10 km/h sur la VMAX. Ils l'ont un peu cassé là le supermarché. C'est quoi sa voiture? C'est une Renault coupée frérot. Je voudrais du soleil et des nanas, nanani, nanana. Et moi j'ai rien de tout ça, j'ai de la pluie et des gros tons. J'espère ça va, tu vois, t'as caté, entre midi et deux, y aura personne, tu vois. Ou soit ça va être blindé, justement. On va faire au drive, hein, nous, on est en véhicule motorisé, les mecs. On est en VMT, je crois. Véhicule moteur thermique, ouais, c'est ça, en VMT. Ouais, aussi, j'ai des cours de droit à prendre en même temps. Vous avez vu, les mecs, le tournage du clip de Maes et ZKR? J'ai vu ça ce matin sur TikTok. Ouais, ça m'arrive des fois. Là, tu vois, avant de te lever 10 petites minutes, tu regardes des gros boulards bouger sur TokTok. Là, ils ont brûlé deux classes G. Je sais pas si c'est des AMG, mais deux classes G, déjà, ça fait cher le clip. Hein. Et encore des stops. Toujours, je me prends des stops. Ça, tant que j'ai plus de stops sur la route que par les meufs, c'est carré, ça. Là, aujourd'hui, ça va. Je vous ai pas fait mon Louis Baudin de la météo. Alors aujourd'hui, dans le nord de la France, on est plus sur un temps maussade. Mais hier, il faisait un petit peu chaud sur un 11 degrés. Là, ouais, chaud, c'est 11 degrés. Les mecs du sud, ils doivent casser leur tête. Ici, on est plus sur un 9 degrés ressenti. Un petit 6, ouais, un petit 6 degrés. Je vois que dalle. C'est à qui d'y aller? Merci mon ref. En plus t'as une belle voiture. Toi t'es beau gosse, t'es frais, belle petite voiture, tu me laisses passer. T'as tout pour me plaire, sauf que je suis pas gay. pas gay pour les... Ouais, allez. La dernière fois que je suis venu ici, non, hein, j'ai attendu... Je sais pas combien de temps pour passer. C'est mort, hein, vous me refaites pas la même les refs. Hein. Oh le Cupra. J'aime pas les gens. T'aurais mis des jantes noires, je t'aurais dit, mon ref t'es beau gosse. Des gens talus comme ça, non mais... Non mais quel crime de la société que tu nous fais ici? Oui, c'est quoi ça? Une Amibé. C'est ancien ça aussi, non? Regardez. Le jeune moteur de la derby, écoute. T'as vu ça, la résonance du bolide? Alors, où est-ce qu'il est le petit magasin là? Le jeune magasin? Bon, ça va, il y a Sunper, ça a l'air un petit peu vide. Oh, je comprends rien, il y a des panneaux partout, tire. On va galérer où le bolide? Regarde, le jeune bolide. Voilà, bon allez, on se reprend après. Alors, mon grand sac pour un mini scotch. Incroyable ça. J'ai pas trouvé ce que je voulais les mecs. Comment vous appelez le truc pour enrouler le scotch?
Vous voyez la petite machine là, sympathique là. T'arrives, tu fais clac 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 clac, ça met du scotch partout. Je sais même pas comment ça s'appelle, bah y en avait pas là. Du coup, si vous cherchez comme moi du dérouleur à scotch, bah y en a pas. Est-ce que je puisse passer par l'AT? Hop. And cover par la ZAT. And passer par l'AT. Nickel AT, Michelangelo. Allez, allez, on y va! Bonjour, je vous écoute. Bonjour, vous faites le Mac First? Ben ouais, logique. Excusez-moi, ça, je crois que mon micro il a coupé en fait quand vous avez répondu. Ah ok. Bœuf, poulet ou? Bœuf. Ouais, en menu avec des frites. La boisson? Vous avez quelque chose en bouteille ou pas? Non, désolé. Et en canette, vous avez? Ah, je vais vous demander d'éviter de bouger parce qu'en fait, du coup, mon casque s'arrête parce qu'il pense que vous êtes passé. Ah, ok. Voilà. Mon micro n'arrête pas de se couper. Ah, je comprends. Non, on fait plus rien en bouteille, monsieur. C'est forcément en gobelet. Non, bah, mettez un coca. Sans glaçon. Très bien. On est donc à 5,65€, s'il vous plaît. Nickel, je vous remercie. Merci à vous. C'est nouveau ça, frérot, je bouge la tête et ça bouge tout. Frérot, j'ai plus le droit de bouger. Oh, le pauvre, ça a dû tout couper. Oh, du coup, c'est encore le coca, je m'en fous partout. Non. Bonjour, c'est possible d'avoir le truc qui ferme au-dessus du gobelet comme je suis en moto? Ouais, mais au drive, on le met au. Ok, bah nickel, bah par carte. Désolé, parce qu'en fait. Ouais. Il pensait là, en fait, à trouver que vous passiez. Ah ouais? Ah ouais, c'est relou ça. Bah ouais, c'est. En fait, vous répondez. Ouais, je comprends, ouais. Hop. Nickel, je vous remercie, bonne journée. Ah ouais, bah oui, le pauvre. On fait un Shifumi. Vas-y, vite fait. Shifumi, ok. Donc là, si j'ai gagné, tu t'abonnes. Si t'as gagné, tu me dis et je m'abonne à toi, ok. On se refait un autre, ok. Là, je vais te mettre une feinte. Shifumi, allez hop. Je t'ai feinte. Est-ce que tu le comptes le puits? Tu le comptes ou pas? Non, c'est pierre, feuille, papier. Non, mais papier, on le met déjà, ciseaux. Donc pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. C'est les règles du jeu. Et c'est quoi l'autre? C'est Shifumi. Je rigole, ils ont ma commande, frérot. Ils vont me taper des frites. Ouais, je malgré mon truc là. Comment je sens que c'est méchamment moi ça. Je dirais le mec qui a touché ma commande. Et après je vais me la taper. Oh, relou. Très relou. Je suis sûr que c'est ma commande qui se sont tapés, frère. J'ai le mort. Ouais. Faut enlever le frein à main, c'est toujours plus utile. Ouais, je pense. Ouais, c'est un McFirst Buff. Merci. J'avais raison. Ils se sont tapés ma commande, les gens d'avant. Comment j'ai trop le seum. C'est dommage. Il y aurait un avis négatif. En plus, ils ont dû me mettre un truc sur le coca. Ils m'en ont pas mis. Oh, ils sont dans la merde. Putain, les autres, ils ont graillé ma commande, c'est bas. Mais wesh, mais c'est quoi ça? Enfin, ils ont donné ma commande aux autres. Mais c'est une blague. Frère, je peux comprendre. Hein. Mais au moins, tu me refais une commande. Je sais pas, regardez, tout est ouvert. Déjà, ils m'ont dit, mettez le truc pour le transport. Il y a que dalle. Là, tiens, m'a ouvert ma graille. Et on en met tout le temps au drive. Bon, regardez, maintenant, je fais comment, là? Et comment on fait? Regardez! Vas-y, gros, je vais aller le jeter, hein. Tu m'expliques comment je peux faire sans le jeter? Attends. On va se faire une dégustation, le truc qui va être plus que froid. Juste parce que les gens, ils savent pas bosser correctement. C'est des nouvelles, ça, de Clio, ou quoi? Ah, c'est des Néerlandais. Et je crois aujourd'hui c'était pas le jour, hein. J'ai attendu une plombe. Mon McDo, frère, ils l'ont offert à quelqu'un d'autre. J'ai peur de passer là, imagine, je passe là, je tape, frérot. Wesh, y'a du monde qui vient manger ici, Ti. Eh, ça doit être bon, hein, vu tout le monde qu'il y a. Ils auraient pu m'offrir, je sais pas, moi, les glaces, un truc, dire pardon, on a donné ta commande à l'autre. Non! Et en plus, ce qui me gaffe, c'est que je demande de mettre le couvercle avec le petit scotch pour pas que ça s'ouvre et tout. Je reçois le truc qui est ouvert, il y a un trou, je vois du coca à travers, après il y a tout qui s'ouvre. Je fais vas-y, frère, se sont foutus de ma gueule. Et moi, j'ai dit, ils étaient gentils. Et là, c'est là qu'il faut chanter. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse à bord. Ah ouais, putain, il est chaud du cul, lui. Oh, le sapin. Wesh, ils ont du budget ici, hein. Ils mettent un sapin 4 mètres. Plein sa gueule. Yann avec son jeune Picasso fou, on le rattrape. Il était pressé comme le train. Comme la foudre. Eh ouais, le train, j'ai dit. C'est vrai que ça ressemble à un train, ça. Ouais, j'attends, ils ont tous fini l'école à midi, ça y est. Oh, faut bosser un peu les mecs. Ouais, putain, à chaque fois celui-là il me le fait le coup.
Full origine le moteur, get ça un peu l'origine. Et même pas pleine poignée hein. Alors ça c'est le top du top. Et là on passe en hybride. C'est pas mal l'hybride. Ah ouais c'est vrai que Tesla ils font pas de moto. Comment ils ont appelé ça le Cybertruck non? Le camion là, le gros poids lourd, le 44 tonnes mais qu'en électrique. Ça c'est une dinguerie. Parce que ça va monter vite et tout pour les insertions. Oh là là sur l'autoroute. Et là c'est quand t'es en mode tranquille ou pilou. Frérot y'a personne devant toi, personne derrière toi, t'es en mode tranquille ou pilou. Tu laisses monter, tu laisses monter. Lui, je l'ai jamais eu au vert. C'est un truc de fou. Mais regardez toutes les vidéos où je passe ici, j'ai jamais eu ce feu au vert. Quand je suis arrivé, je l'ai jamais eu au vert. Celui qui l'a eu au vert, il me fait une compilation dans les commentaires. J'envoie 10 balles, il se payera un McDo et j'espère que lui, il sera pas froid. L'autre, il me colle au cul, frérot. Ça. C'est le taxi marseillais. Hein, tu te tapes de loin. La courbe, bam. Mais voilà, il est plus là le taxi marseillais. Là. Il fait moins le malin. Hein. Pour... Ah ouais, je vais faire une compile année 2021, tous les feux que je me suis tapé. Ah, parce que j'en ai tapé. Hein. Vraiment, on devrait estimer le temps qu'on a passé au feu rouge dans notre vie. Je pense à un truc de ouf. Pas de panique à bord, le fun et la tête à bord. Allez, avant, t'es fin, on a des fins. Putain, moi, il va pas falloir me mettre une moto trop puissante. Hein. Et moi, frérot, tu mets une moto trop puissante, je crois que je vais tuer avec. Hein. Tu vois, là, t'as pas de répondant. Mais la fois où j'ai conduit la MT, j'ai roulé la MT de Kips. Mais là, frère, je suis monté en troisième, je suis monté à 100 km/h. J'ai même pas mis poignée dans l'angle, t'as capté? Tellement c'est énervé. Alors, je me dis, tu mets une MT, je mets des poignées dans l'angle. Là. En veux-tu, en voilà. Là, je fais une sortie de virage, mais poignée dans l'angle. Mais alors là, mais je perds le permis. Des fois, je pète des câbles comme ça. Petit clignotant gauche. Eh, vous avez vu, le droit était changé. Je sais pas si je voulais montrer. Attends, dernière vidéo, c'était il y a belle lurette. Maintenant, je suis un moto-vlogueur, mais un trotti-vlogueur, frérot. Je sais plus si je vous ai montré, le clignotant, il était réparé. 35 euros de main-d'œuvre pour le changer. Eh, je rigole, c'est le daron, frérot. Tu crois en paye ou quoi? Salut, ça va? Ça va, collègue? Je crois qu'il me faisait bonjour à moi. Bah ouais, logique. Sur votre droite, ma magnifique école primaire, frérot, c'est la Zonprix. Non, je pense que la plus grosse Zonprix que j'ai eue, c'est le lycée. Non, le collège. Ah ouais, le collège. Ah, c'était une sacrée prison, ça. Ah ouais, le collège, frérot, je suis arrivé au lycée, je me suis dit, ça y est, c'est la liberté. Que dalle, Chantal, plan Vigipirate, mon gars, tu rentres pas, tu sors pas quand tu veux. C'est autant contrôlé que l'accès à ta meuf. Les mecs, j'ai fait. La dernière fois, j'étais là avec ma petite trottie, t'as capté? Non, j'étais avec mon vélo. Avec mon vélo électrique, ma mini bike électrique. V'là, Tipo, je crois, qui un abonné en trottinette. Et ben, on a fait la course. Bah, il m'a fumé, frère. Il a une trottinette comme la mienne, ultra puissante. Bientôt, si vous voulez, les mecs, je ferai des courses. Ah ouais, en vrai. Et j'ai trouvé comment on peut débrider le vélo. Je vais vous débrider le vélo, les mecs. Double batterie carrément. Si on prend pas 75, je suis une salope. Bon, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve pour la dégustation. C'est parti! Mettez des pouces bleus là. 3000 likes, une nouvelle vidéo demain. God. Bon voilà les mecs, je vous fais même pas une dégustation, ça m'écœure, j'ai grande frite frérot, j'ai... les serviettes, hein, on peut s'asseoir dessus carrément et regarder ce jeune McPherson miteux. Bon je vais le manger avant qu'il y ait encore chaud. Et voilà, sur ce les mecs, attends, vous voulez que je vous fasse un croc je pense. Je vais vous faire un croc, j'ai oublié d'enlever la salade. Ouais, c'est parti, 1, 3, let's go, bon appétit. Ça va, c'est bon, c'est un petit peu froid. Mettez des pouces bleus, faut le rembourser. J'espère que je vous ai donné faim les mecs.